Aladdin et la lampe merveilleuse. Il y a bien longtemps de cela, dans la cité de Bagdad, une veuve qui avait un fils nommé Aladdin. Ils étaient très pauvres et pendant que la mère se tuait au travail, Aladdin passait son temps à s'amuser avec ses camarades. Un après-midi, alors qu'il jouait avec ses amis sur la place de la cité, un mystérieux étranger s'approcha de lui et l'examina un bon moment. Dites-moi, mon fils, lui demanda l'étranger, votre père n'était-il pas Mustapha? En effet, répondit Aladdin, mais il est mort depuis un certain temps déjà. À ces mots, l'étranger l'étreignit dans ses bras en pleurant. Je suis votre oncle, mon enfant. Je voyage depuis de nombreuses années et j'étais revenu avec l'espérance de le retrouver en bonne santé. Alors Aladdin l'invita chez eux. Tout d'abord, sa mère ne voulut pas le croire, mais il se radoucit quand il lui donna 10 pièces d'or et proposa d'aider son fils à devenir un marchand. Le matin suivant, quand le faux oncle revint, il demanda à Aladdin de l'accompagner. Ils marchèrent longtemps dans la campagne. Le soir, ils arrivèrent dans une vallée qui séparait deux montagnes. L'étranger commença par mesurer le sol, puis il demanda à Aladdin de ramasser des broussailles sèches. Au même moment, le sol se mit à trembler et un passage souterrain apparut. Descends, lui ordonna le faux oncle. Tu passeras par des couloirs. Ce que tu pourras prendre sur le chemin sera à toi. La seule chose que je désire est une vieille lampe qui est accrochée au mur. Puis il lui passa au doigt une bague qui devait le protéger. En bas, Aladdin découvrit une grande caverne. Elle était remplie de bijoux, de diamants et de pierres précieuses, un trésor immense. Sur un mur, une lampe était accrochée. Elle était vieille et poussiéreuse. Aladdin la décrocha avec précaution et prit le chemin de retour, et en passant, remplit ses poches de ses richesses. Arrivé à l'entrée de la caverne, il demanda à son oncle de lui donner la main pour l'aider à monter. Donne-moi d'abord la lampe, lui cria-t-il. Mais je vous la remettrai à la sortie, répondit Aladdin, dont les bras étaient aussi encombrés par des bijoux. Mais le magicien n'avait pas l'intention de l'aider. Il voulait la lampe pour ensuite se débarrasser du jeune garçon. Comme Aladdin refusait de lui lancer la lampe, l'homme entra dans une colère effroyable. Ingrat, hurla-t-il, je vais te donner une leçon. Et à ces mots, il marmonna des paroles magiques et le passage se renferma. Puis il disparut. Voilà Aladdin emprisonné et enterré vivant sous terre. Épouvanté, il appela 1000 fois son oncle. Ses cris se perdirent dans l'obscurité. Épuisé, il s'assit sur une pierre. Au bout de 3 jours, sentant ses forces diminuer, il implora Dieu en joignant les mains et ainsi frotta la bague que le faux oncle avait passée à son doigt. Aussitôt, un génie à la figure effroyable lui apparut. Que me veux-tu, Aladdin? Demanda le génie. Je suis ton esclave. Parle et j'obéirai. En tout autre temps, Aladdin aurait eu très peur. Mais en ce moment, il fut si malheureux qu'il répondit sans hésiter. Je veux rentrer chez moi. Aussitôt, Aladdin se retrouva auprès de sa mère, à qui il raconta son étrange aventure. Le lendemain, après une longue nuit de repos, Aladdin se réveilla et demanda aussitôt à manger. Hélas, répondit la mère désolée, il ne reste rien à la maison. Mère, dit Aladdin, donne-moi la lampe pour la vendre. Bonne idée, mon fils, mais attends, je vais la nettoyer. Il avait à peine commencé à la frotter qu'un gigantesque et hideux génie se dressait devant elle, s'écriant: Que veux-tu? Moi, l'esclave de la lampe, je suis prêt à t'obéir. La pauvre femme s'évanouit, mais Aladdin resta calme. Apporte-moi à manger, dit-il, j'ai faim. Le génie disparut et revint presque immédiatement portant des grands plats chargés d'excellente nourriture. La mère et le fils dînèrent copieusement. À partir de ce jour, Aladdin et sa mère ne manquèrent plus de rien. Quels que fussent leurs désirs, le génie les exaucait sur le champ. Ils devinrent même les personnes les plus riches de la région. Les années passèrent. Aladdin était devenu un grand et beau jeune homme. Un matin au marché, il croisa Badr al-Budur, la fille du sultan. Il en tomba fou amoureux, qu'il résolut de la demander en mariage. Impatient, Aladdin courut jusqu'à sa chambre, prit la lampe qu'il avait cachée et appela le génie. Il lui expliqua ses exigences. Un moment après, la maison d'Aladin fut remplie par une troupe d'esclaves.
chacun portant un plateau rempli de magnifiques bijoux. Vêtu comme un prince, Aladdin se dirigea alors en direction du palais. Et bientôt, la cour émerveillée vit arriver au palais un jeune prince à cheval. C'est ainsi qu'Aladdin reçut la main de sa bien-aimée la princesse Badr al-Budur. Ils vécurent heureux dans un somptueux palais. Mais un jour, le faux oncle apprit qu'Aladdin était bien vivant. Et même qu'il était devenu l'époux de la fille du sultan, à ce moment, il entra dans une colère terrible et décida de se venger. Sans perdre une minute, il se présenta devant le palais d'Aladdin et commença à crier « Qui veut échanger une vieille lampe contre une neuve ?» Auparavant, il apprit qu'Aladdin et son épouse n'étaient pas au palais. Ainsi, ne craignait-il pas d'être découvert ? Le magicien était fou de joie lorsque l'un des esclaves du palais ouvra la fenêtre et lui cria « Attends un instant, notre maître a une très vieille lampe dans sa chambre. Je crois qu'il sera bien content si on la lui change par une neuve. » L'esclave lui donna ainsi la lampe merveilleuse qu'il avait tant désirée. Dès qu'il l'avait entre les mains, il se hâta de quitter la ville. Puis il attendit que la nuit tombe. Alors il frotta la lampe et ordonna au génie de transporter seulement le palais d'Aladdin et sa princesse en Afrique. La disparition de la princesse Badr al-Budur plongea Aladdin dans une grande tristesse. Le sultan, voyant que le palais et sa fille avaient disparu, commanda que l'on jette Aladdin dans un cachot et que l'on lui coupe la tête le lendemain matin. Dans le sombre cachot, en se tordant les mains de désespoir, Aladdin se souvint de la vague magique. Il le frotta une fois encore. Et en un clin d'œil, Aladdin se retrouva dans la cuisine de son palais. Devant lui, Badr al-Budur, qui préparait le repas du magicien. « Aladdin, toi ici ?»« Vite, mon amour, » lui répondit-il. « Prends cette poudre et mets-la dans le repas du magicien. Aie confiance en moi. » Ainsi, on entendit bientôt les ronflements du mauvais magicien, vaincu par le somnifère. Aladdin s'empara de la lampe et fit surgir le génie. « Que désirez-vous, maître ?» demanda le génie. « Envoie ce magicien en enfer et reviens tout de suite, commente-t-il. » Le géant s'empara immédiatement du magicien et disparut pour y apparaître une seconde plus tard. « Vous n'entendrez plus parler de ce magicien, dit-il. Désirez-vous autre chose, maître ?» Il lui ordonna de les ramener au plus vite dans leur pays. Le sultan pleura de joie en retrouvant sa fille et son gendre. Toute la ville célébra le retour d'Aladdin et de la princesse par de grandes fêtes qui durèrent tout un mois. Mais à partir de ce jour, la lampe disparaît et l'on n'entend plus parler. La princesse Badr al-Budur l'avait cassée en 1000 morceaux et l'avait jetée au fond de la mer.